Salut les amis! Quelle surprise! Mais quelle surprise! C'est vrai que je suis sur YouTube depuis plusieurs années maintenant. Mais bon, je ne m'attendais pas à ça. Je m'étais dit, faut rester humble, comme ça on ne fait pas de bêtises à vouloir gravir les échelons trop vite. Et finalement, j'en suis là. Au chiffre de 10 000 abonnés que j'ai réussi à dépasser. Non, sérieusement, c'est vraiment arrivé comme ça. J'ai rien vu venir. J'étais à 9 000 et quelques, et bam, j'ai déjà passé les 10 000. C'est fou. C'est complètement fou. Je pensais pas que ça m'arriverait aussi vite. Bon, bien sûr, ça fait des années que je suis là, mais quand même. Comme je ne m'y attendais pas du tout. Mais c'est vraiment grâce à vous, une fois de plus. Merci à vous, mes très chers abonnés. Merci à tous ceux qui ont décidé de me suivre. Merci à vous et merci encore. Comme je le dis souvent dans ces vidéos, je ne serais pas grand-chose sans vous. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et oui. Ah, je dois avouer que je suis très satisfait de ce que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant. C'est vrai que dans ma dernière vidéo où je célébrais mes 5 000 abonnés, je disais que j'étais comblé. Et c'était vrai, j'avais obtenu 5 000. Et je m'étais dit que pour arriver aux 10 000, ça me prendrait sûrement encore plus de temps. C'était pas fou vu la date à laquelle j'ai fait la vidéo. Mais je pensais que ça me prendrait encore plus de temps, plus que ça. Et je n'y pensais même plus. Et finalement, me voilà. Ah, c'est dingue, c'est fou, c'est génial. Non, vraiment, merci à vous et merci encore. Et bon, en tout cas, je suis arrivé là et je dois avouer que... Enfin, je vais vous le dire tout de suite. Ce sera ma dernière vidéo de remerciement. Oui, je sais, ça peut paraître bizarre de dire ça, mais je me dis, je suis arrivé aux 10 000. Mais je ne vais pas dire allons jusqu'aux 20 000, allons jusqu'aux 30 000. D'ailleurs, dans ma vidéo des 5 000 abonnés, je disais ça, que je n'essayerais pas de vous demander de me faire grimper encore plus. Je ne demanderai pas à ceux qui regardent la vidéo qui ne sont pas abonnés à ma chaîne de vous abonner parce que j'ai envie d'avoir plus. Non! C'est pour ça que ce sera ma dernière vidéo de ce type. Si j'arrive à encore escalader au-delà des 20 000, je ferai juste un simple post. Parce que je n'ai pas de grandes ambitions. Je n'ai pas envie peut-être de rivaliser avec tous ceux qui ont dépassé les 100 000 et qui peut-être avoisinent le million. Non. C'est écrit dans la description de ma chaîne. Ma chaîne est là pour partager mes idées avec vous. C'est là le but premier que je me suis fixé. Bien sûr, j'en avais un autre, c'était de répondre à certaines de vos demandes. Je voulais que ce soit un peu différent, que vous vous sentiez interagir avec moi, pas juste que vous étiez des personnes qui regardent mes vidéos et qu'en laissant un commentaire, vous vous dites qu'il ne le lira sûrement pas. Non, je voulais vraiment que vous vous sentiez interagir avec moi. Et c'est pour ça que là, je me montre honnête avec vous. Je ne ferai plus d'autres vidéos de ce type. Mais je n'hésiterai jamais à vous remercier de faire augmenter mon chiffre d'abonnés. Et attention, c'est pas une demande de vous abonner à ma vidéo pour que j'obtienne plus d'abonnés. Non, j'ai dit qu'à mes 5 000 j'étais comblé, et c'était vrai. Là encore, vous me donnez un autre cadeau, mes abonnés. Un cadeau que je n'ai pas demandé, et je vous en remercie. Et bien sûr, je ne vous en demanderai pas plus. Je l'ai dit avant, restez humble. Comme ça, je ne fais pas d'énormes projets, je ne me prends pas la tête à vouloir obtenir plus. Non, je suis content de ce que j'ai et de ce que vous m'avez donné. Et pour ça, je vous dis merci. Encore une fois, merci. Ouais, parce que dépasser les 10 000, je me dis, c'est peut-être prétentieux, mais je me dis que là, j'ai passé vraiment un cap. Je me dis, les 10 000 quand même. Les 10 000, c'est fou. C'est peut-être puéril,
C'est moi aussi que je ne sais pas comment ça se passe au niveau du réseau YouTube, mais bon. Ah d'ailleurs, je ne sais pas si ça vous intéressera, mais je ne suis pas monétisé. Et je ne compte pas le devenir. Pour deux raisons. La première, c'est que au niveau des droits d'auteur, YouTube m'embête un peu avec ça. Et des fois, j'ai des vidéos qui sont dites avec des droits d'auteur, mais la visibilité n'est pas gâchée. Donc ça va. Mais je me dis que si je suis monétisé et que je dois respecter ces droits d'auteur, ça me freinera ma création. Et la deuxième raison, c'est que bon, ça ne m'intéresse pas. Parce que quand on est monétisé, on a un quota de vidéos à faire. Et je me dis que si je dois réfléchir à chaque fois à la date de la sortie de ma prochaine vidéo, je risque un peu de perdre les pédales. C'est vrai, vous l'avez vu en ce moment, je poste de moins en moins. Mais ça, c'est pour des raisons que je ne peux pas vous dire. Mais voilà, je ne vais quand même pas me forcer à produire plus juste pour obtenir un quota et que YouTube me paye ensuite. Même pour de l'argent, j'ai pas envie de faire ça. YouTube, j'ai commencé. Bon, puisque on parle de mes commencements, de mon commencement de YouTube. YouTube, j'avais commencé avec mes vidéos de Sonic Boom. Je pense que très peu doivent savoir que j'avais posté tous les épisodes de la série Sonic Boom. J'avais fait ça pour une raison. Je voulais que la série perdure. Je me suis dit, je ferai une contribution à ceux qui voudront la découvrir plus tard. Mais bon, ça, c'était avant que je sache comment ça se passe réellement pour les séries sur Internet. Ouais, il y en a qui arrivent à perdurer, mais pas parce que certains postent des vidéos pour partager ça avec le monde. Non, parce que certains veulent se faire de l'argent avec. Eh oui. Et d'ailleurs, c'est en comprenant ça que je me suis mis au téléchargement illégal. Oui, c'est vrai que là, je parle avec vous d'un sujet qui n'a un peu rien à voir avec ce ma vidéo. Mais bon, c'est la dernière, alors autant que je m'ouvre un peu à vous, et que vous me connaissez peut-être un peu plus. D'ailleurs, parlant de connaissances, est-ce que je devrais m'occuper de ça? Je me demande d'ailleurs si certains voudraient que je l'enlève. Peut-être que vous avez compris que ça fait partie de moi, ça. Que j'aime rester dans l'anonymat. Bien sûr, pas l'anonymat le plus complet, car après tout, il y a une partie de mon corps qui est parfaitement visible. Mais voilà quoi. Bref, du coup, j'avais commencé avec les vidéos de Sonic Boom, je postais les épisodes, et un jour, j'ai reçu un email de Sega qui m'a dit que je devais les enlever. Ouais, droits d'auteur et compagnie. Je suppose qu'à ce moment-là, ils avaient commencé le système pour avoir de l'argent grâce aux séries qu'ils publiaient, même si elles ne passaient plus à la télévision. D'ailleurs, il existait un site internet qui contenait toutes les séries que Disney avait eues. Et c'était de façon gratuite. Vous alliez sur le site, les épisodes étaient là, et vous les regardiez tranquillement. Cusco, American Dragon, Jake Clone, Lilo et Stitch. Tout ça, quoi, gratuitement. Mais évidemment, ce site a disparu parce que Disney Plus et compagnie, hein. Mais voilà. Du coup, quand j'ai eu avec YouTube le truc qui m'a enlevé toutes mes vidéos de Sonic Boom, à savoir 100% de ma chaîne à cette époque, je m'étais dit qu'est-ce que j'allais faire? Je me suis dit que j'allais poster une autre série. Et cette série, je voulais que ce soit Megaman NT Warrior. Megaman. Ouais, NT Warrior, c'est bien ça le nom, je comprends avec le nom du jeu vidéo. Oui. Mais bon, j'ai appris vite fait que les droits d'auteur, hein, ils n'en y échappent pas de cette façon, aussi facilement. Et c'est comme ça que je me suis dit que j'ai pensé différemment. Au lieu de mettre des séries, car ce serait trop compliqué, j'allais peut-être poster des différents trucs. Certaines choses qui, dans ma tête, émergent et pourraient être quelque chose d'intéressant. Et voilà comment ça a commencé. Je crois que ma première vidéo de ce type, ça a été Black Panther, il vit en toi. Ou alors... Non, non, je pense que c'était celle-ci, oui. Que c'était celle-ci, ma première vidéo, qui commençait ma nouvelle aventure sur YouTube. Je dois vous avouer que je me suis cherché quand j'ai commencé.
quand j'ai recommencé à faire de l'activité, je me demandais qu'est-ce que je pourrais faire d'autre. C'est pour ça que j'ai fait différents tops. J'étais vraiment dans la recherche. Je voulais vraiment aussi me faire remarquer, je l'avoue. Je m'étais dit que les tops, ça permettrait peut-être d'avoir plus de vues rapidement. Bon, évidemment, hein, ça s'est pas passé comme prévu, et du coup, j'ai continué à faire d'autres choses. Et finalement, voilà, j'en suis arrivé là, parler des différents des mangas qui m'intéressent, avec les sujets qui m'intéressent. D'ailleurs, parlant de ça, j'ai fait une seule vidéo sur Dragon Ball Super, pour une raison. Enfin, pour la raison suivante, je n'aimais pas Dragon Ball Super, et comme ça, je ne voulais plus en reparler. Une vidéo là-dessus qui montre à quel point je n'aime pas Dragon Ball Super, et c'est tout. Ça me paraissait inutile de continuer à faire des vidéos pour dire à quel point je n'aimais pas Dragon Ball Super. Et voilà, j'ai continué. Puis j'ai découvert d'autres logiciels que j'ai appelés jouets. Ouais, c'était vraiment très bien. Et voilà maintenant où j'en suis arrivé. Quelle aventure! Je vous dis pas quelle aventure. Ça a été très amusant. Et elle n'est pas terminée. Non, pas du tout. Et j'ai aussi d'autres projets en tête. Alors, je vous parlais des logiciels que j'appelais jouets. Il y en a deux. Texting Story et Gacha Club. Pour Texting Story, il y a un projet qu'il faut que je termine. Pour ceux qui l'ont suivi, vous savez qu'il est en cours et que je l'ai lâché depuis un certain temps. Mais comme j'avais dit dans mes vidéos d'annonce, je vais bien le terminer. C'est juste que si vous avez suivi ces vidéos, c'est plus mon ordinateur, mon pire ennemi pour faire ces vidéos. C'est pour ça que ça traîne le plus souvent. Et vous l'avez vu, ces vidéos rallongent parce que j'ai vraiment beaucoup plus à raconter. Surtout que là, je suis dans l'arc 4ème Grande Guerre Ninja. Bref. Et bon, Texting Story aura une autre histoire ensuite. Et pour ce qui est de Gacha Club, ça, c'était vraiment le jouet dont j'avais besoin pour m'exprimer librement. Comme je ne sais pas dessiner, que je ne peux pas faire de fan manga, Gacha Club est un peu la solution de secours. Après tout, vous l'avez bien vu avec les derniers épisodes de Mikoto et l'héritage de Itachi. J'avoue que sans Gacha Club, j'aurais pas pu faire une histoire aussi captivante avec des personnages, un visuel qui permet de capter toute l'attention. Mais voilà. Bon, c'est vrai que je fais un peu de hors-sujet en vous parlant de mes futurs projets. Je veux aussi refaire des vidéos où vous me verrez tel quel. Mais bon, vous verrez ça plus tard. Alors, bon, je crois que j'ai peut-être un peu abusé de votre temps. Après tout, mes vidéos, les vidéos de ce type sont là pour que je vous remercie. Car c'est grâce à vous que j'en suis là. Et finalement, je me mets à parler de moi, de comment j'ai commencé, de ce que je compte faire plus tard. Bon, je ne sais pas si ça vous aura intéressé. J'espère que je ne vous aurai pas trop ennuyé. En tout cas, comme d'habitude, j'ai fait une petite scène comme j'aime les faire. Et je dois vous avouer que là, j'ai vraiment mis du temps à trouver. Je voulais vraiment trouver une scène et bon, la modifier un petit peu pour vraiment vous montrer ce que je vous enfin ce que j'avais à vous montrer. Je commence à devenir redondant là. Il faut que j'arrête alors et que je passe à la suite. Mais oui, j'ai mis du temps pour trouver une idée, car après tout celle que j'ai fait avant, il me fallait quelque chose qui ait à peu près le même impact, quelque chose qui soit un peu meilleur. Et j'ai finalement trouvé. Alors j'espère que vous l'apprécierez. Et bon, ça va, allez, j'arrête de continuer de parler. Après tout, je suis là juste pour vous dire merci. J'espère que l'histoire que je vous ai racontée sur moi vous aura plu. Que ça ne vous dérange pas que je reste de cette façon. Oui. Parce que je ne pense pas que un jour je vous montrerai mon vrai visage. J'espère que ça ne vous déçoit pas trop. Car, je l'ai dit, j'aime être anonyme. Et bon, allez.
On passe à la suite. Et encore une fois, je vous dis merci, mes très chers abonnés. Pas. Laisse-moi t'expliquer que maintenant tu sais exactement comment tu fonctionnes. Tout est bas pour me freiner, c'est terminé. Maintenant, je peux faire tout ce que je souhaite. Et tu n'es plus un obstacle à ma création. Alors, je ne me dirai qu'une fois, dégage!